à tous dans notre émission Du soleil dans nos assiettes. Aujourd'hui, nous sommes sur l'île de Rurutu. Elle est composée de trois villages principaux, Auti, Muirei et Avera. Actuellement, je suis dans le village de Muirei. Notre guide du jour sera Yves. Yorana Yves. Yorana, comme tu peux le voir, nous sommes au cœur de la taraudière, hein, le Païtaro, la base alimentaire des gens d'ici. Et en arrière-plan, nos falaises, particularité de Rurutu, criblées de grottes. D'ailleurs, si tu veux, on va aller en visiter une très belle, certainement la plus belle de Rurutu. Mais c'est parti. On y va alors. Alors Yves, où est-ce que tu m'as emmené ? Là, on va découvrir certainement la plus belle grotte de Rurutu, hein, celle qui s'appelait dans l'ancien temps Aupoiri. Hein. Maintenant, on dit Teanaeo, la plus belle Teanaeo. Voilà, Teanaeo. C'est un lieu sacré aussi. Hein. Ah, c'est un lieu sacré. C'est ici que Taneuapoto va se faire massacrer. Quelques siècles plus tard, les descendants, ses descendants vont se venger. C'est la famine ici. Le chef Tahatini décide d'aller voler le taro dans le district voisin avec trois de ses meilleurs guerriers. Il s'y fait tuer. Son fils, qui est resté dans le sanctuaire de son ancêtre Taneuapoto, hein, veut récupérer le corps de son père et de ses aïtos. Les ennemis veulent rien savoir. Il va inviter les ennemis à un grand repas dans cette grotte. Ses guerriers à lui sont cachés au pied de la falaise. Quand les autres arrivent, on les accompagne par petits groupes au bord du four. Et on va les massacrer, c'est les jeter dedans. C'est stratégique, en fait. Hein, et c'est comme ça que le chef Teahuroa devient le chef de l'île. Je te propose d'aller voir un sculpteur à Moerai, hein, qui fait toutes sortes d'objets, mais vraiment des très jolies choses. Hein. Tu pourras faire ton choix. C'est parfait. Je pourrais ramener un petit souvenir avec moi. Voilà. Oh, voilà. Génial. On passe du soleil à la pluie. C'est ici qu'on doit rencontrer Christian, un artiste reconnu sur l'île, pour ses sculptures et tous ses trésors. On y va ? Yorana Christian ! Oui, Yorana, yatoe uru. Oui, ça va bien. Alors, en fait, on m'a beaucoup parlé de toi. Je suis contente d'être là parce que je cherche des petits souvenirs. Bien sûr, ben, si tu veux voir, je peux te proposer quelque chose. Je te montrerai ce que je fais. Que de trésors. Eh, c'est super ça, c'est original. Un petit globe. C'est fait avec quoi comme pierre, ça, c'est du corail. Tu travailles toutes sortes de matériaux. Voilà. Alors, le bois, le corail. Le corail, la nacre, de l'os. Magnifique. Eh, c'est marrant ça. C'est toi qui le fais aussi, Christian ? Oui, bien sûr. Waouh, c'est trop bien fait. Jusqu'à la canne à pêche. J'adore celle-là. Enfin, elles sont toutes belles, mais celle-là, plus particulièrement, je la trouve vraiment belle dans son mouvement. Mmh. Ça fait vraiment réaliste. Elle prend la forme. T'as même les détails, les petits détails là, de la baleine. C'est du bois local ? Oui, du miro, du bois de rose d'Océanie, comme on dit. Ah, voilà, mon coup de cœur, ben, il ne peut que être celui-là. Il est temps pour nous d'aller à la rencontre de Yves. Christian, merci encore. Tu es vraiment un homme surprenant et je suis contente d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi. Et on se dit à la prochaine. D'accord ? D'accord. Regarde ce que j'ai trouvé chez Christian. Ah, ça y est, t'as eu ta petite baleine. Oui, j'adore. Ah ben voilà, l'emblème de Rurutu, hein, tous les ans, d'août à octobre, hein, les baleines viennent nous visiter et ça nous emmène des touristes du monde entier. Hein. Alors, l'avantage de Rurutu, l'eau est très limpide, hein, mais il y a très peu de monde en fin de compte et donc on demande aux gens d'être très respectueux de ces animaux. Bien sûr, oui, il faut. Hein. Si tu veux, ben, on va les rejoindre... Rosa, tu voulais voir Rosa ? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ah oui. Ben voilà, voilà. Eh ben, on y va alors. Hein. C'est parti, on cuisine. Voilà, nous sommes arrivés en cuisine, dans une belle cuisine ensoleillée. Et je vous présente Rosa, qui est ma maman Fa'amu. Une maman adoptive, on peut dire. Parce que j'ai habité très longtemps à Rurutu et elle était toujours là avec Gilbert pour m'accueillir chez elle et me faire de bons petits plats. Bon, alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui, Rosa ? Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de popopia mi'a ta'ari. D'accord. Une recette typique de Rurutu. Génial ! On reste dans le local. Thank you.
Alors, par quelle étape on commence? Ben, on va d'abord éplucher les bananes. Voilà. Ah, on en a des belles bananes, hein? Oui, c'est du hamon. C'est des bananes hamon. Des bananes hamon. Alors, pour commencer, tu vas m'aider, on va éplucher les bananes. D'accord. J'en ai des bananes à éplucher, là. Hein? Voilà. Il en faut pour faire le popopi. Hein. On va éplucher les bananes avant de les réduire en purée. D'accord. Voilà. On a de la chance d'avoir de beaux fruits. Autant en profiter, hein. En principe, on doit les écraser à la main. Mais d'accord. Pour aller plus vite, je préfère passer à la main. Plus efficace. Oh. C'est pratique hein, d'avoir ce moulinet. Hein. Et la dernière banane pour finir. Voilà. Et maintenant, Rosa, qu'est-ce qu'on fait? Ben, maintenant, on va doser la banane. D'accord. Le nombre de bols nous indiquera le nombre d'amidon qu'il faut. OK. Deuxième bol. On a 3 bols de banane. On a donc besoin d'un bol et demi d'amidon. D'accord. En fait, c'est 2 bols de banane pour 1 bol d'amidon. Oui, voilà. C'est d'accord. Ça. Maintenant, je remets ma banane dans mon moulinet. Voilà. Je verse mon bol d'amidon dessus. Au lieu de tout mélanger avec les doigts. Oui, c'est parce ça? Que c'est trop lent avec le bois. Et je fais au moulinet. Et on ne risque pas d'avoir des grumeaux. Ça, c'est pratique. Hein? Ça va plus vite et puis ça rend la pâte plus onctueuse. On racle bien on les racle, bords, on récupère l'amidon. Qui t'a appris à faire cette recette, Rosa? C'est ma maman. D'accord. Là, c'est vraiment une recette typique de l'île qui se transmet de génération en génération. Voilà. Mais c'est ce qu'on mange le matin au petit déjeuner avant d'aller à l'école. Ah, OK. Parce qu'avant, il n'y a pas de pain. Je viens de rajouter encore un peu d'amidon parce qu'il n'y a pas assez. D'accord. Il faut que la pâte soit assez consistante quand elle cuit dans l'eau. Ça sent bon, en tout cas, la banane. Voilà, j'ai mis à bouillir de l'eau et on va pouvoir faire cuire notre popopia dans l'eau bouillante. Alors, je te montre la consistance de la pâte. Elle est parfaite, là? Oui, voilà. Maintenant, on va passer à la cuisson du popopia. D'accord. L'eau est prête, elle est bouillante. Le coup, c'est de prendre des petites boules de pâte et après, on met dedans. Ça va se détacher tout seul. D'accord, en fait, on ne va pas former un bloc. Non. C'est marrant ça, c'est une cuisson directe à l'eau. Hein? Oui. Et on a combien de temps de cuisson alors? À peu près 20 minutes. 20 minutes? Voilà. Il faut bien surveiller, c'est rapide quand même. Hein? Oui. En attendant, je te propose d'aller... On va aller râper le coco. D'accord, c'est parti. Voilà. Pour commencer, je vais les casser. Voilà. Ah. Trop fort, tu veux boire? Oui. Allez, bois. Ne gaspille pas l'eau de coco. Voilà. Maintenant, on va passer à la râpe. Les popopias sont cuits. Maintenant, on va les mettre à égoutter. D'accord. C'est ce qu'on appelle le popo. D'accord. Ça sent bon. Et surtout, ça va être bon. D'accord. Maintenant, on va presser le coco. On a pris combien de noix de coco environ? Trois belles noix de coco. Oui, trois. D'accord. Oui. Voilà. On va mettre notre popopia dedans. Miam miam. Voilà. Popopia, souvent, on le mange avec du poisson. D'accord. Très souvent. On va le manger aussi avec du poisson? Oui. On aura tendance à croire que c'est un dessert. Chez nous, il n'y a pas de dessert. Hein. On met tout sur la table. Le poulet. Il n'y a pas d'entrée, de plat voilà. Et de dessert. Tout est sur la table et chacun se sert. Alors, on va passer à quelle étape ensuite? Alors maintenant, on va préparer un poisson. D'accord. Tulupo oi, sur le feu. On va préparer un poisson cuit dans des feuilles. Feuilles de bananier. Et recouvert de feuilles de oti. Là, nous avons du poisson. En français, ça s'appelle de la loche écarlate. D'accord. Et nous, chez nous, ça s'appelle le ATA. Le ATA. On va mettre un peu de sel dans le ventre. Et là, c'est pareil, il n'y a pas d'huile. Hein, parce que ça cuit un peu à l'étouffer dans les feuilles. Là, donc, il n'y a pas besoin de... Ça va rester toujours bien
moelleux. Moelleux, bien tendre, voilà. Nos poissons. Voilà. Maintenant, je vais mettre dans des feuilles de rôti. Je prends ça pour attacher. Tada ! Le paquet est fait. On va poser notre paquet de poissons sur le feu. Voilà. Au barbecue pendant 30 minutes. En attendant que le poisson cuise, je voudrais te montrer ce que fait mon mari. D'accord, on va voir Gilbert donc. Voilà. Ah, oh, j'ai hâte de le voir, ça fait longtemps. Ouais. Ah, tiens. Coucou Gilbert. Ça fait longtemps, hein? Eh oui, c'est vrai, ça fait toujours plaisir de se rencontrer. Je suis contente de te voir. Tu es en forme, hein? Oui, oui, il faut, on essaie, au moins. Je suis en train de regarder qu'est-ce que je peux faire avec ce caillou. C'est avec ce genre de caillou que je fais les pénoux, les œufs. Et là, justement, je suis en train de regarder peut-être pour faire un œuf. C'est toi qui as fait tout ça? Oui, voilà. Ça, sont des pierres de Rurutu. Voilà, ça s'appelle le travertin, le nom scientifique. Ici, on appelle ça le féo. J'ai innové en faisant moitié bois de rose et caillou. C'est une lampe aussi, ça, Gilbert? Voilà, c'est une lampe. C'est fait avec la même roche. C'est travaillé, mais c'est un ami qui fait ça, c'est pas moi. Hein. Alors ça, ce sont des véritables outils anciens que j'ai retrouvés dans la terre ici. Ça, ça fait partie des plus vieux outils. C'est une herminette, elles sont rondes. D'accord. Celles qui sont plus récentes, comme ça, elles sont pointues. Oui, elles sont triangulaires. D'accord. Comme le métal n'existait pas en Polynésie, ils étaient très ingénieux. Tous les outils étaient fabriqués en pierre. Celle-là, je la garde pour moi. Voilà. Et pourquoi pas. Voilà, Vaitea. Le poisson est cuit. Oh, déjà? Oui. Ça passe trop vite le temps. Eh oui. Bon, je te dis à tout à l'heure, Gilbert, d'accord? Je retourne en cuisine. Bon, ben maintenant, la sortie du feu, on va le déballer. Il a pris une belle couleur orangée. Voilà. Et quand je regarde, il est juste à point. Oui. Nous avons une belle assiette toute en couleur et j'ai déjà hâte de la déguster. Il n'y a plus qu'à goûter. Il n'y a plus qu'à goûter, comme Rosa a dit. On prend un petit bout de popopia. On prend un petit bout de poisson et on mange avec, comme ça. D'accord. Je goûte directement le popopia. Sur ce, je vous dis nana et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Gros bisous soleil.